Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où c'est... je dirais ce mélange entre une vidéo conseil et une vidéo playlist. Tout simplement parce que ce temps-ci, j'ai beaucoup de questions en tête du style « Ah mais si je devais dire ça à telle personne, comment je ferais ?» On sait très bien que parfois, quand on a quelque chose à dire, c'est très compliqué de discuter avec la personne et de lui faire passer un message. Il y a toujours des moments où on n'a pas envie de parler, où on n'arrive pas à parler. Et je sais qu'on s'est tous déjà dit ça dans la tête, on s'est tous déjà dit. Ce serait bien s'il y avait une musique pour exprimer ce qu'on veut dire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo playlist. Enfin, c'est un mélange de tout et de rien, ça va être du n'importe quoi. J'espère qu'elle va pas durer 36 000 ans. Et c'est parti. Donc j'ai sur mon téléphone quelques petites musiques. Il y a une musique que j'aime bien et franchement, si je devais pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un devait me pardonner, franchement, si on me passait cette musique, je pense que je serais la personne la plus heureuse au monde. Mais parfois, il faut pas beaucoup parler pour se faire comprendre des autres personnes. Donc c'est une chanson de Maître Gims. J'étais obligée d'en mettre une de lui. Et bah, c'est parti. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Je souffrais. Je veux que tu saches que tu manques. Que les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Ensuite, il y a une autre chanson, mais celle-là, elle est un peu plus pour les personnes qui ont vécu sans leur papa. Bon, moi, j'ai eu un papa, mais je veux dire, par exemple, mon père biologique, je le connais pas. Et si on pouvait me donner l'opportunité de lui faire passer un message à travers soit des mots, soit une chanson, je pense que je choisirais cette chanson-là. Je pense que ça ferait comprendre à la personne à qui elle est destinée bah, tout ce qu'on pense en fait. J'ai écouté seulement, allez, 3 fois cette musique et je peux vous dire que limite j'en avais les larmes aux yeux et elle est juste trop bien. Donc c'est une chanson de Lisandro et c'est parti. Sourire et faire semblant de ne pas penser à toi, s'aimer encore plus fort, oublier que tu n'es pas là. Comme j'ai eu mal, oh, de vivre sans toi. Si tu savais, papa, je t'ai cherché partout pour te parler de moi. Bon voilà, je vais pas faire non plus déprimer tout le monde, vous avez compris le concept de ce que je vous ai dit. Ensuite, je pense que, ça c'est un peu plus pour les garçons, mais ne vous emballez pas, ne vous excitez pas contre moi. Mais vous savez, il y a toujours une personne qui veut toujours soit le numéro de téléphone de quelqu'un, et de nos jours c'est plutôt le Snapchat de quelqu'un parce que c'est le réseau social qu'on utilise le plus, enfin qu'on utilise pas mal. Bon bien sûr, il y a toujours Instagram, Twitter, mais je pense que Snapchat c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, un des réseaux sociaux qu'on utilise pas mal. Et pour ceux qui connaissent Niska, vous comprendrez où je vais en venir. Et vous savez, vous avez envie d'aller voir quelqu'un et de lui demander son Snapchat par exemple. Il y a une chanson spécialement pour vous qui s'appelle Snapchat et qui est de Niska. Donc je vous propose de l'écouter. C'est parti. Elle m'a pas donné son Snapchat. Ce soir il faudra que je l'épate. Je l'ai accosté quand j'étais rapade. Je crois qu'elle a senti la patate. Et coucou, coucou Flocon. Ben oui mon petit chat. Je vous présente Flocon, le petit chat de la maison, enfin un des petits chats de la maison. Donc pour continuer cette chanson, enfin cette playlist, on a toujours besoin de trouver un prétexte pour ne pas aller soit à une soirée, soit à, je sais pas moi, un événement, mais qu'on a vraiment pas envie d'y aller. Sauf que on sait pas quoi
sortir comme prétexte, j'ai trouvé la chanson pour vous. C'est une chanson de Kid V et c'est parti, on l'écoute. Il est 9h du matin, j'ai fait la fête toute la nuit. J'ai dû me coucher sur le poulet, 6h30. J'étais avec des amis, on s'est mis dans la musique. On m'a bien m'appelé. Tu sais que tu veux manger ce midi? Oh, tu j'avais oublié. Oh non, je vais pas être réceptif. Je vais d'abord parler de son salon d'esthétiste. Elle va encore me montrer des photos que t'as jeté sceptique. Alors je vais passer l'après-midi avec Ryan Ben City. Je peux pas, j'ai piscine. Voilà, ensuite, je n'ai absolument pas vu les paroles de cette chanson parce que je suis une grande flemmarde et je ne regarde absolument jamais les paroles des chansons. Mais quand vous voulez essayer de faire comprendre à quelqu'un que vous êtes triste et que vous n'êtes pas forcément bien, je pense que cette musique pourrait la faire comprendre à certaines personnes que faut vous laisser un peu de l'air quoi, vous laisser respirer, et quand vous aurez fini avec cette musique triste, vous serez apte à discuter avec les gens. Pourquoi j'ai choisi cette musique? Tout simplement parce que moi quand je l'écoute, elle m'apaise et elle est juste trop bien, et c'est la chanson de Ed Sheeran. C'est parti. Dernière musique, vous savez quand il y a quelqu'un qui vous pose beaucoup de questions et que vous avez envie de lui dire mais qu'est-ce que tu veux en fait, ou que quelqu'un vient vous voir et vous dit ah mais vous savez la suite, genre la personne vous aime vraiment. La dernière fois j'écoutais mes musiques et je suis tombée sur celle-là et je me suis dit oh mais celle-là, à chaque fois que quelqu'un va venir m'embêter, me poser des questions, en fait je vais lui mettre cette musique, c'est tellement que je vous laisse écouter quoi, vous allez comprendre. Si je l'aime, ton problème dans la rue, tu fuis comme la peste. Nous voir ensemble, je sens que tu détestes. J'ai l'impression que ça te fait baliser. T'insérer ta bouche enfarinée. On fera des bébés couleurs palinées. Pourquoi ça te gêne? Dis-moi que t'as pas validé. Si je l'aime vraiment, elle est trop. J'ai fini avec toutes les chansons que j'avais en tête et il y en a certaines, je vous avouerai, je vais jouer la carte de la transparence. Il y en a certaines qui étaient destinées à certaines personnes. Dites-moi en commentaire quel genre de musique, pour les choses dont je vous ai dit, quelle musique vous écouteriez ou quelle musique vous diriez à une personne. Et franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusée à vous la faire, à la filmer, parce qu'en même temps j'écoutais de la musique et en même temps je vous ai fait découvrir des musiques, des nouvelles musiques. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit ou à me suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon vous aurez tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à lire, il y a très très peu de choses à lire. Donc vous avez tous les réseaux sociaux en barre d'infos et moi je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.